On se retrouve pour une petite vidéo Chine qui va être en deux parties, une partie pour moi, une partie pour ma maman. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler Shein. Alors, cette vidéo va être en deux parties. La première partie, ce sera mes essayages à moi avec ce que j'ai choisi, etc. La deuxième partie, que je mettrai en fin de vidéo parce que celle que les petites tailles intéressent pas, je peux le comprendre, ce sera pour ma maman, sachant que ma maman fait un SM en général. Donc, je lui ai fait choisir quelques pièces et je lui ai choisi moi aussi quelques pièces. Voilà, pour lui faire un petit peu... Voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de lui proposer quelques pièces sympas que moi je trouvais sympa pour elle, donc on va voir ça. Je crois qu'il y a 10 pièces pour ma maman et tout le reste c'est pour moi. Donc on y va tout de suite avec ce que moi j'ai choisi. Et puis à la fin de la vidéo, vous verrez les pièces, enfin moitié de vidéo je pense, vous verrez ma maman avec ce qu'elle a choisi et les essayages qu'elle fera. Donc voilà, alors on y va, c'est parti, on commence par les pièces que moi j'ai choisi. Alors on va commencer par une paire de chaussures. Il y a deux paires de chaussures dans ce haul. Donc il y a celle-ci que j'ai trouvé trop jolie sur le site. Je les ai trouvées vraiment très sympas. Donc ce sont des petites sandales comme ça. Alors les sandales, alors je fais un 38, mais les sandales je les ai prises en 39 parce que j'aime bien quand mon pied ne dépasse pas d'une sandale. Celles-ci, elles sont hyper souples, hyper agréables. Vous avez un petit peu de, vous voyez, mémoire de forme, donc ça c'est trop cool. Vous avez le petit lien doré ici et vous avez une espèce de laine, je ne sais quoi. À l'intérieur, c'est noir basique. Elles sont trop belles. Les petites claquettes comme ça pour l'été, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Franchement, la qualité est bien. Bon, ça sent un petit peu le pétrole de la semelle, mais ça va. Franchement, elles sont belles. Elles sont bien finies et tout. Il n'y a pas de col qui dépasse ni quoi que ce soit. Celle-ci, je valide. Ensuite, j'ai reçu une autre paire. Alors ça, c'est un petit peu différent. Je crois que c'est Superga. Superga, c'est la petite marque de chaussures, ça je crois, si je me trompe je vous remettrai là, ou Supergra, je ne sais plus bien exactement, qui faisait ce style d'espèce de basket l'année dernière. Donc ce sont des baskets en toile avec une semelle en corde. Donc voilà, là, le dessous est comme ceci. Donc celle-ci je les ai pris en 38, les petits rivets sont dorés, je trouve ça trop chou. Voilà, elles sont belles aussi, franchement. Rien à dire dessus, il n'y a pas de col qui dépasse ni quoi que ce soit. Et je pense que la semelle n'est pas vraiment en corde en fait. Je sais pas si vous allez voir. Donc en fait, ça doit être une semelle style basket compensée basique. Et ils ont remis une semelle en corde dessus. Je trouve ça très joli. Et avec les robes bohème et tout, j'aime bien quand il y a un petit compensé. Et je trouve que ça peut faire sympa. Donc voilà, très joli également. Ensuite, j'ai eu un coup de folie. J'ai eu envie d'un pantalon jaune. Donc j'ai pris un pantalon jaune. Voilà, pour mettre avec un petit top noir. Je trouve que ça peut être très sympa. Donc j'ai pris un pantalon jaune qui se présente comme ça. C'est un très beau jaune. C'est un limite jaune entre le fluo et le pastel. Ouais, un jaune quoi. Le bouton du pantalon est doré. Voilà, il a l'air hyper extensible. Je l'ai pris en 2XL, mais je me demande si j'aurais pas dû le prendre en 1XL parce que j'ai l'impression qu'il va être assez large. Vous avez des poches à l'arrière également. Il est long, il est simple. Mais voilà, j'ai envie... Oh, petit chat dans la gorge. Mince. Petit chat dans la gorge, ça y est, il est parti, je l'ai remis dans son panier. Voilà, il est joli, franchement il est très très beau, vous voyez, ouais, vous voyez la couleur. On va essayer, là vous voyez bien la couleur, là c'est pile poil la couleur. Il est bien, franchement j'aime bien, le tissu est pas trop épais, donc ça pour l'été c'est très bien. Donc voilà. Regardez sur le pantalon jaune, alors pantalon jaune qui pour moi est un peu trop grand, vous voyez. Il y a une taille de trop, même de là, c'est tellement hyper élastique qu'il y a une taille de trop, c'est dommage. Parce que de là, vous voyez, ça fait des plis que ça ne devrait pas faire. Je pense que je vais le recommander une taille en dessous parce que je le trouve très 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 joli, j'aime beaucoup. On est bien dedans, il est hyper extensible, donc ça c'est cool parce que vous pouvez bouger comme vous voulez. Il est bien long, 1m60, il m'arrive en bas de pied, il est très joli. Ouais, ça je vais le recommander une taille en dessous parce que... Là clairement il est trop grand. Je sens que je suis pas... Enfin, certaines vont dire non, faut le porter comme ça, oui mais non. Parce que là je sens que au niveau de la taille c'est trop grand. Donc voilà, celui-ci je le recommande parce qu'il est vraiment joli, mais prenez, faites attention à votre taille. Pour mon 48, 1XL ce sera suffisant. Ou alors vous aimez porter les pantalons larges et donc du coup le 2XL ira très bien. Voilà. Ensuite j'ai pris ceci, donc ça fait partie des cache maillots, ils appellent ça les cache maillots, vous savez les petits tops qu'on met sur un maillot de bain en été, mais je vais le porter autrement, j'avais envie de top en crochet donc je me dis que ça pourrait être sympa, porter ça avec un petit pantalon blanc et un petit débardeur blanc en dessous, ça peut faire un effet assez sympa. Donc voilà, il est très joli, c'est un crochet comme ça,
Après ça part comme ça, il a l'air assez droit, mais j'aime bien, moi ça j'aime bien, je trouve ça original et puis ça change un petit peu, ça donne le petit côté bohème qu'on aime bien l'été, même ça avec un petit short en jean en dessous et une petite brassière pourquoi pas, ça peut être mignon porté. Donc ça on dit oui aussi à l'essayage. Alors, le petit top bleu, alors faites pas attention, j'ai enfilé le pantalon jaune mais clairement je porterai pas ça avec ça. Voilà ce que ça donne, donc imaginez ça avec un petit pantalon blanc ou un petit pantalon noir et pourquoi pas juste une brassière ou un petit débardeur en dessous, c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Voilà, ou même porter comme ça avec un petit short en jean, ça peut être cool aussi. Donc ça tombe bien, c'est sympa, ou en cache-maillot au-dessus d'un maillot pour revenir de la plage, ça peut être très mignon aussi. Ouais, ça on valide. Petit top que j'ai pris, c'est clairement les petits tops que j'adore porter en été quand il fait très très chaud. Vous savez, c'est les espèces de petits tops bustiers. Alors je crois même, non, c'est même une robe ça je crois. Je crois même que c'est ça, c'est une robe. Donc c'est une robe bustier, je dirais. Donc on voit à l'avant, le bustier est un petit peu plus haut. Donc c'est des smokes, hein, donc clairement, on est super agréable là-dedans. Voilà, vous avez un élastique également un petit peu plus bas que le smoke. Et après, c'est une petite robe qui part toute simple, quoi. Bon, je pense que c'est une robe, hein. Ouais, je pense que c'est une robe. Voilà, très simple, très sympa pour l'été. La couleur, j'aime bien, c'est joli, c'est mignon. Et voilà, ça, c'est clairement, quand il fait très chaud, vous enfilez ça, vous mettez pas de soutien-gorge, vous avez vraiment tout tranquillou, et ça, c'est top. Alors, la petite robe bustier, bah, écoutez, elle est parfaite, elle tombe bien. Vu qu'elle est plein de ramages, on n'a pas trop de transparence, donc ça, c'est bien. Alors après certaines vont me dire oui tu devrais pas porter de robe bustier, t'as un gros buste etc etc. Je m'en tape quand il fait chaud l'été en vacances quand on veut juste être tranquille pour boire l'apéro le soir, ça c'est juste parfait. Donc là j'ai juste rebaissé les bretelles de mon soutien-gorge, hein, il est là. Normalement vous pouvez le voir à l'arrière mais ça c'est clairement la petite robe d'été où on est bien dedans quand il fait chaud, on est tranquille, on n'a pas de soutien-gorge, on est à l'aise. Elle est belle, franchement j'aime bien, très très jolie celle-ci, je vous la recommande parce que franchement si vous aimez ce style de petite robe pour l'été quand il fait bien chaud, voilà, on est bien dedans, on est à l'aise, il fait pas chaud, on est tranquille. Voilà, je recommande. Petite robe Vichy, oui, j'avais envie d'une petite robe Vichy rose comme ça, je l'ai trouvée trop belle. C'est un tissu qui fait un peu gaufré, vous voyez. Hop, elle est trop mignonne. Alors j'espère que je l'ai pas pris un peu trop grande. Il y a une ceinture parce que je vois qu'il y a des passants. Attendez, oui, il y a une ceinture. Elle est ici, donc vous avez la ceinture assortie. Elle est toute mignonne, je sais pas quelle matière c'est, mais on dirait du coton. Non, 95% polyester et 5% d'élastane. Écoutez, c'est une robe assez un peu patineuse en fait. Vous voyez, resserrée au niveau de la poitrine et après elle part un peu en évasé. Vous avez une fermeture avec une tirette derrière qui est bien cachée. Celle-ci, je l'ai prise en 3XL. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Je vois bien porter ça avec des petites baskets blanches et une petite veste en jean. Ça peut faire sympa. Alors celle-ci est très 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 mignonne aussi, pareil un poil transparente. Alors sur les couleurs claires ça fait pas de pli, sur les couleurs claires on n'arrive jamais à avoir une opacité qui soit assez bien, c'est dommage. Donc sous vêtements blancs je pense que ça passe, hein, y a pas de souci. Là j'ai vraiment du noir donc ça c'est, voilà, et franchement du noir, sous tout ça passe, vous voyez. Elle est très jolie, par contre même problème, c'est un petit peu trop échancré là. Pas de grand chose mais un petit peu, et du coup quand je la mets bien, vous voyez à cet endroit là je dois avoir un souci de buste, c'est pas possible autrement. Sinon au niveau longueur on est pile poil comme il faut, elle est très jolie, le tombé est plutôt sympa, mais elle est pas faite pour moi au niveau du buste. Je pense que j'ai un souci de poitrine en fait, si ma poitrine était plus grosse ça tomberait mieux. Je vais me refaire faire les seins, non c'est une blague, mais elle est jolie celle là hein. Mais voilà quoi. Alors, je viens de passer 5 minutes à essayer de comprendre le sens de cette robe. Donc c'est une robe portefeuille avec un motif rose comme ça. C'est comme des pivoines un petit peu, rouge avec un fond blanc et des feuilles un peu grises et beige. Vous avez, les épaules sont nouées. Donc c'est pour ça, tout était dénoué. C'était un sac de nœuds ce truc. Donc là, vous nouez les épaules. Donc vous pouvez vraiment mettre comme vous voulez. Décolleté V devant, décolleté V dans le dos. Et vous avez un lien à nouer à la taille. Et il y a un froufrou dans le bas. Elle est trop belle. Elle est... Franchement, j'espère qu'elle va m'aller. Mais c'est tellement réglable de partout que normalement, on doit pouvoir tout régler. Donc très très jolie. Alors, celle-ci, c'est un réel coup de cœur. Elle est trop 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 belle. Elle est transparente. Donc, soit vous mettez un petit shorty en dessous et des sous-vêtements chers. Faites attention, je préfère vous le dire. Mais l'avantage de cette robe, c'est qu'elle est complètement... ajustable, c'est à dire que là vous pouvez serrer vraiment pour que ça remonte bien, là vous pouvez serrer vraiment pour que ça remonte bien. C'est un réel coup de cœur cette robe, elle est trop belle. Donc c'est une robe portefeuille, hein, voilà, très 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 jolie. Je trouve qu'elle flatte la silhouette, c'est vraiment sympa.
à l'arrière le décolleté, c'est un décolleté V, hein, oui, décolleté V à l'arrière, je trouve ça très mignon également. Le fait qu'on puisse nouer un petit peu là, à cet endroit-là, je trouve que ça fait un très très joli décolleté. Elle est magnifique, cette robe est une pépite. Attention, je vous l'ai dit, je le redis, elle est un poil transparente, c'est du blanc. Donc clairement, petit shorty en dessous ou sous-vêtements chers de partout pour qu'on ne voit pas trop, voilà. Mais elle est magnifique, sublime. Celle-ci, je peux que vous la conseiller. La longueur, elle est top, top, top pour 1m60. J'ai un réel coup de cœur sur cette robe. J'ai trop, trop hâte d'être en été pour pouvoir la porter. Alors, autre robe rouge cette fois-ci qui est normalement mi-longue. Elle doit arriver mi-mollet. Il y a une ceinture... non, pas mi-mollette. Mi-mollet. Je me déprime. Il y a une ceinture qui est vendue avec également. Donc, c'est une robe effet cache-cœur. Puisqu'elle est, on n'a pas le côté à nouer autour de la taille. Vous avez un volant sur le bas, elle est rouge à pois blanc. Vous avez donc l'effet cache-cœur devant et vous avez toujours le décolleté V dans le dos. Je trouve ça très classe, un décolleté V dans le dos. Je trouve ça très mignon. Alors ça, pareil, porter avec des petites baskets blanches et une petite veste blanche ou une petite veste en jean, ça peut être très mignon. Alors, pour la rouge, il y a un petit souci, je vais vous montrer. Donc voilà la longueur. Vous voyez, ça arrive mi-mollet. Elle n'est pas moche. Elle n'est pas moche, mais moi j'ai un souci de buste avec. C'est-à-dire que, ben, voilà, ça arrive bien sous le soutien-gorge. Alors pour moi, il faudrait que ce soit, voilà, comme ça. Mais j'ai trop de tissu là. C'est dommage. C'est pas la première fois que j'ai ce souci-là avec Shein. Alors je pense que c'est fait pour vraiment les personnes qui ont des grosses poitrines. Pour pouvoir tout rentrer et que ça fasse pas la même chose. Mais c'est dommage parce que du coup... ou alors faut que je la porte en mode... Non, c'est pas joli. Ouais, non, c'est dommage. Celle-ci, ça va pas. Elle est pas assez taillée pour moi de là. C'est dommage parce qu'elle était... Alors là, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et prendre un ensemble. Donc le haut se présente comme ceci. Donc il est avec un bouton là et noué autour du cou. Et vous avez un haut court comme ça, avec les échancrures américaines comme ceci. Avec les verts et les blancs, avec les feuilles vertes comme ça. Et au niveau du bas, vous avez une jupe mi-longue, je dirais. Ouais, mi-longue. Donc que je compte porter en taille haute pour pas qu'on voit trop le ventre en fait. Et elle est blanche pareil avec des feuilles. Pareil, même motif, mais je sais pas. Vu porter sur la mannequin, j'ai trouvé que ça faisait très 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 joli l'ensemble. Donc à voir porter ce que ça va donner sur moi. Mais j'avais envie de tester, voilà, changer un petit peu. On verra bien. Alors, pour l'ensemble, bah écoutez, on est encore sur un coup de cœur. Je trouve ça très, très, très mignon. Donc, vous voyez, je peux la mettre plus bas si je veux. Mais par rapport à comment je veux la porter, ça fait comme si j'avais une robe, tout simplement. C'est super mignon. J'aime beaucoup le tombé que ça a. Bon, c'est un peu transparent, sans l'être trop. Je pense qu'il faut plus mettre des dessous blancs. On verra moins à travers. J'aime beaucoup, j'avais peur que ça m'englobe trop le cou et que je sois trop serrée. Mais pas du tout, franchement il y a encore de l'espace donc c'est cool. À ce niveau là, ça mériterait d'être un poil plus serré mais ça passe. Pas de soucis, vous voyez c'est encore élastiqué donc j'ai de la place. Et la jupe il y a encore un peu de place. À la limite vous pouvez le porter comme ça. Ou alors vous mettez vraiment la jupe sur le top pour faire plus robe, mais vous pouvez très bien laisser un petit peu, un tout petit peu de ventre passer, c'est pas un souci, c'est très joli, franchement j'aime beaucoup, ouais. Vous voyez, j'ai bien fait de tester parce que je trouve ça sympa. Des petites baskets blanches ou pourquoi pas des petites sandales vertes, avec là pour l'été, ça peut être très bien, ouais ça j'aime bien, ça je valide. Alors cette fois-ci on est sur une robe noire toute simple, toute bête, enfin pas toute simple, toute bête, et je recommence avec mon tout simple, tout bête. Robe noire pratique l'été, voilà, quand il fait très chaud, on est très bien là-dedans, robe t-shirt. Donc vous avez une manche par ici, manche toute, voilà, manche, bah, manche de t-shirt, et par ici vous avez une bretelle et la petite manche qui est un peu asymétrique en fait. Et sa particularité c'est qu'elle a un nœud à l'avant en bas comme ça, je sais pas si vous allez bien voir là, vous verrez mieux porter je pense. Voilà, j'avais trouvé ça sympa, à voir porter ce qu'elle va donner. Mais voilà, quand il fait bien chaud, vous mettez ça, une paire de sandales et un gros sautoir par exemple, ça peut faire sympa. Alors, la robe noire, bah écoutez, j'aime beaucoup le décolleté comme ça, je trouve ça très mignon. Par ici, je peux laisser mon soutien-gorge, là j'ai juste baissé un peu la bretelle. Je trouve que le décolleté est assez mignon, c'est sympa, les petites manches, ça cache les bras. Au niveau de la longueur, ça tombe comme ça. Donc vous voyez, comme je vous disais, il y a un nœud là, dans le tissu. Ce qui fait que ça remonte un peu d'un côté, je trouve ça assez joli. Elle est plus longue que le genou d'un côté, mais comme elle remonte bien d'un côté, de l'autre côté, c'est pas moche. Elle est assez droite, mais je trouve que ça va encore sur ma silhouette. Je trouve ça joli. Ouais, c'est une petite robe d'été qui est assez sympa, accessoirisée, ça peut être sympa. Ouais, celle-ci on la valide, elle est super agréable à porter, en plus elle est toute douce.
Alors cette robe a été un gros coup de cœur sur le site, je me suis dit elle est magnifique. Donc c'est une robe un peu tropicale, noire, avec des feuilles vertes sur fond noir, je trouve ça super joli. Décolleté V, vous avez des emmanchures basiques, vous voyez, robe basique, mais vous avez le petit volant qui retombe comme ça sur les épaules, je trouve ça très très mignon. Il y a un élastique à la taille, et sinon après c'est une robe courte qui tombe toute bête. Mais franchement, avec des petites sandales noires ou des petites sandales vertes, ça peut faire très mignon. Alors la petite robe noire et verte, elle est sublime, j'adore. Le côté au niveau des bras, elle tombe bien. Voilà, au niveau des ça c'est assez mignon, j'aime bien. Il y a un petit point là en fait, parce que normalement c'est un décolleté, donc vous pouvez à la limite, si vous voulez que ce soit plus ouvert là, bouger ce petit point là, hein, c'est à vous de voir. Au niveau de la longueur, elle est bien, elle est parfaite. Pour rappel, je suis 1m60. Au niveau taille, on est bien, on est bien. Non, franchement, elle tombe bien celle-là. Elle est trop belle, franchement, si vous l'aimez, si vous voulez une petite robe dans ce style, bah, n'hésitez pas, parce que pour l'été, là, ça va être super sympa. Moi, je pense que je vais enlever le petit point qu'ils ont fait là pour le remettre, le faire un tout petit peu plus bas, parce que je trouve que c'est dommage de... Voilà, j'aurais préféré que le décolleté soit un peu plus prononcé. Mais c'est mignon, franchement, très 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 mignon, celle-ci. On va finir cette sélection pour moi avec une robe blanche, mais qui est arrivée beige, qui est arrivée tachée. Elle était très belle sur le site, mais le souci des robes blanches, c'est qu'elles sont soit jamais blanches, soit très transparentes. Voilà, c'est très compliqué. À la limite, on peut le porter en surmaillot, mais c'est pas blanc, vous allez voir. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis que c'est pas blanc. Vous voyez, ça c'est blanc, ça c'est pas blanc. On voit vraiment la différence. Là, si je vous mets les deux dentelles l'une à côté de l'autre, on voit vraiment la différence. Et je vous disais, là, elle est tachée. Il y a une tache noire là, aussi bien sur le petit pompon. Hop, vous voyez, le pompon est là. C'est dommage. Elle est mignonne, elle est belle, elle a une allure, hein, mais comme ça, déjà, le fait qu'il y ait du blanc et du beige, je trouve pas ça très très joyeux. On dirait que la dentelle, elle a été mise là, enfin que le truc là, il a été mis là parce qu'on n'en avait pas d'autres, c'est dommage. Et le tissu n'est pas blanc du tout, il est jauni. Donc c'est vraiment du beige, c'est pas du blanc. Alors qu'elle a été vendue pour une robe blanche. Je trouve ça dommage. La petite robe beige, je vais dire beige hein, puisqu'elle n'est pas blanche. Bon, comment vous dire que c'est hyper transparent. En plus là j'ai des dessous noirs, de toute façon vous voyez tout au travers hein, clairement, voilà, j'ai des dessous noirs, on voit tout au travers, je vous montre de derrière, vous allez voir hein. On voit vraiment tout. Sinon c'est dommage parce qu'elle a un joli tombé, mais c'est pas possible au niveau de la matière. Enfin, la matière ça va, mais c'est le tissu qui est pas du tout. Ou alors faut mettre un shorty en dessous, ou comme je vous dis à la limite en surmaillot. Voilà, en surmaillot ça peut passer, mais ouais, non. Celle-ci non, je vous dis non, parce que franchement elle est pas terrible. Et puis la démarcation du blanc beige, là je trouve pas ça bon. Non, non. Alors, je vous ai laissé tout à l'heure en vous disant que j'allais chez ma maman pour ses essayages à elle. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est son poêle, mais ça devrait le faire, on va parler plus fort. Donc, premier essayage, et elle me fait mourir de rire parce qu'elle a mis un masque et une charlotte sur la tête. Bref, on verra pas sa tête, je vais pas filmer sa tête, mais je vais rire en la regardant, c'est sûr. Alors premier essayage, c'est un top, je vous mets la photo tout de suite. La prochaine fois je vous montrerai, ce sera plus simple, mais là elle l'avait déjà passé, elle a été plus vite que moi. Vous allez voir, elle va vous dire ce qu'elle en pense, moi je ne dis rien, je vous mettrai tout, taille, prix, etc, etc. Mais c'est vraiment elle, elle va vous dire ce qu'elle en pense. Allez, je me retourne et je vous montre le premier top. Alors c'est très joli, les couleurs m'ont plu tout de suite. Mais pour mon âge, ça ne me va pas. Voilà. Alors, enlève-le de ta jupe pour montrer bien comment il est réellement. C'est trop... Voilà, donc c'est assez long comme ça. Il faut avoir un tronc. Et tourne. En fait, il est très long derrière, vous voyez. Alors, ce que je lui disais tout à l'heure, c'est que ce serait bien porté avec un short en jean l'été quand il fait très chaud. Parce que c'est une matière qui est toute souple. Très agréable. Oui. Mais c'est vrai que ma mère, elle est petite du tronc, comme elle dit. Donc, du coup, ça tasse un petit peu. Retourne. Hop, voilà. Mais sinon c'est pas moche, hein. C'est joli, le décolleté est joli, il est plongeant mais pas trop. Mais après il faut faire attention parce que là en fait c'est bien ouvert. Donc voilà un petit peu pour... Les couleurs sont belles. Les couleurs sont belles, ouais. Il tombe bien. Voilà. Alors, deuxième article, c'est ce petit top bleu qui était très mignon. Donc ça c'est maman qui l'avait choisi et celui d'avant aussi. Parce qu'après vous allez voir, je lui ai choisi des petits trucs. Donc voilà, petit top bleu, c'est un espèce de lainage comme ça, qui est assez mignon, vous avez des petits boutons. Donc elle va essayer ça, vous allez voir ça tout de suite. Alors, deuxième petit top, il est très joli, mais je te laisse parler.
Alors, moi, la couleur me plaît parce que j'adore le bleu. En plus, c'est un bleu genre layette, mais c'est rien. Mais je trouve qu'il fait sage et à la fois moderne. Tout à fait, ouais. Alors, il faut savoir que maman fait un M, petit M. M. M, ouais. Et ça, c'est du L. Donc voilà, pensez que c'était petit, mais c'est hyper extensible quand même. Vous voyez, si je tire, il y a encore de la place sur les côtés, c'est hyper extensible. Alors par contre, c'est... Non, je croyais que c'était un peu transparent, mais non, c'est une idée. Il est agréable à porter, il est doux. Oui. Et c'est mignon les petits boutons, comme ça, on peut ouvrir ou pas, selon l'effet sage qu'on a envie de donner. Oui. C'est mignon, il est mignon celui-là, j'aime bien. Toi aussi? Ah, j'adore. Bon, ben c'est parfait. Troisième article, c'est ce petit top blanc comme ça. Donc, c'est un petit top blanc avec de la dentelle qui est très mignon. Franchement, un peu côtelé. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous le verrez plus porté sur maman. Donc, voilà. Très mignon. Franchement, j'aime bien. Allez, à l'essayage. Alors, le petit top, qu'est-ce que t'en penses? Il est très beau, très, très agréable à porter, mais là, il est trop transparent. Oui. Bien sûr, il faudrait un soutien-gorge sans démarcation ou un petit caraco. Ouais. Hein. Mais c'est vrai qu'il est, vous voyez, la dentelle est très jolie. Je pense que ça doit être doux sur le porté. Oui, c'est, il est très beau. Mais par contre, comme vous voyez, on voit vachement le soutien-gorge. Tourne-toi. Il est transparent. Et même de derrière, on voit énormément. Donc, soit vous mettez un petit débardeur en dessous, mais bon, c'est pas le but en général. Ou alors, vraiment, il faut un soutien-gorge cher, invisible, quoi. Voilà. Quelque chose qui soit... Mais de dos, il est super joli. Il y a le même décolleté devant, derrière, c'est super joli. C'est beau. Validé ? Alors, maman a choisi aussi un petit peignoir comme ça, gris. Donc écoutez, il est mignon, j'aime bien la matière, la maille est originale, ça fait des, comme des épis, je sais pas si vous allez voir. Faut que ça fasse le focus, vous voyez, ça fait comme des, non c'est, il est côtelé mais dans la côte il y a comme des épis. C'est assez original, il est gris, mignon comme tout. Donc elle va l'essayer, elle vient de me dire je vais passer à pyjama, je lui dis non quand même pas, tu vas le mettre comme ça dessus, ce sera tout aussi bien. Allez, un essayage. Alors, le petit peignoir. Ben, c'est très bien pour l'été, c'est ce que je viens de dire. Et puis, ça fait t-shirt en fait. Voilà, c'est vraiment une matière t-shirt assez fine. Et c'est vraiment doux en plus. Mmh, du coton. Ouais. Et il est bien long, donc même aussi bien sur un pyjama que sur une nuisette en fait. Mmh. Donc voilà, c'est le déshabillé en fait. Voilà. Très joli. Ça te plaît? Ah oui, j'aime bien. Alors, bon, ben, c'est parti. Article que j'ai choisi moi-même. Donc à première vue, ça plaît à maman, mais elle vous dira ça tout à l'heure. Il a l'air épais et chaud. À voir porter ce qu'il va donner. Alors c'est une taille L, par contre il fait pas très très grand. À voir un peu, mais j'ai trouvé ça tout mignon. Voilà. Alors, petit pull, t'en penses? Très élégant avec les petites épaulettes. Ouais, regardez, ça fait des petites épaulettes sur le côté comme ça. C'est mignon comme tout, un peu manche bouffante sans l'être trop. Il y a un petit fil là. Le col est assez joli comme ça. Les petits boutons. Par contre c'est du L et il est moulant, hein. Voilà. Ça lui va bien, mais il ne faudrait pas falloir une taille en dessous, je pense. Hein. C'est parfait. Chaud. C'est chaud. Mmh. Alors, on vient de regarder parce qu'on pensait au tissu que c'était de la laine. Tourne-toi dans l'autre sens, s'il te plaît. Et en fait, non, c'est pas de la laine, c'est du polyester, mais c'est vraiment joli. Ouais. Voilà. Validé? Ah oui. Alors, un petit bomber fleuri comme ça, je suis persuadée que ça va bien lui aller. Donc, c'est une taille S pour celui-ci. J'aurais peut-être dû prendre un M. Elle essaie de s'habiller là-bas et elle... ça va pas bien. Donc, bon, on va essayer. Donc, à première vue, ça lui plaît comme ça. Donc, à voir. On va voir porter ce qu'elle va en penser. Alors, le petit bomber, t'en penses quoi? Coup de cœur. Coup de cœur. Elle m'a dit tout à l'heure devant le miroir, ça change mon allure. Ah oui. C'est pas quelque chose qu'elle est habituée à porter. Non. Donc là, elle a mis le petit top que vous avez vu tout à l'heure en dessous. Mais tu vois, les deux ensemble, c'est super joli. Mmh. Et ouais, tourne un peu voir ce que ça donne. Niveau taille, on est parfait. Ouais, très bien. C'est agréable à porter. Ouais. C'est doux. Bah, tant mieux. Mmh. Donc, comme on disait, porter l'été, voilà, au-dessus de ça, pour une petite veste. Ou alors fermer l'hiver en guise de pull, voilà, quoi. Et on se disait justement... petite bête, la fermeture. Ouais. On se disait justement avec maman que porter avec un petit pantalon gris, ça peut être sympa parce que il y a du gris un petit peu dans le top. Ou avec un pantalon rouge pour réveiller vraiment l'ensemble, mais... Validé? Ah oui. Alors, bon, bah, autre choix que j'ai fait pour maman, c'est un petit impair, tout simple, tout simple, tout bête. Je recommence avec mes tout simples, tout bêtes. Voilà, vous avez une petite fermeture, un petit lien pour nouer. Je crois qu'il n'y a pas de poche, on verra ça après. Une capuche à l'arrière. Il est très léger, donc parfait pour l'été quand il fait chaud ou qu'il se met à pleuvoir, une pluie d'orage, je pense que ça peut être bien. Voilà.
Alors, le petit impair, t'en penses quoi? Ben, je suis séduite encore une fois. Elle est séduite par les choix de sa fille, oh c'est là cool. Là. Donc, par contre, petite chose que je dois vous dire, ça, attends, je me permets, oui. C'est hyper, hyper long, comme oui. Vous pouvez voir. Je n'ai pas fait gaffe, t'es en chaussons. Et on fait un nœud. Hein, je pense que, comme on disait avec maman, le recouper à la taille qu'elle veut et faire voilà. Juste un nœud, puisque voilà. C'est juste un nœud au bout. Par contre, ça vous permet de cintrer, c'est pas un faux, hein. Ça permet vraiment de cintrer oui. L'impair, vous voyez derrière. Voilà, ça permet vraiment de recintrer l'impair. Au niveau de la capuche, elle n'est pas hyper grande, elle ne tombe pas devant les yeux. Donc voilà, c'est bien. Il taille bien. Niveau taille, on est bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es bien dedans? Ah oui, oui. Bon, bah écoute, les manches, parfait. Ah oui, oui. Mais même si vous êtes un peu plus grand, je pense que les manches, c'est bien parce que les manches sont un poil longues, là, quand même. Donc voilà. Donc c'est validé. J'ai voulu tenter, parce que je sais que maman aime beaucoup le Vichy. En général, les carreaux, t'aimes bien ça en général. Oui, j'adore. Et j'ai voulu tenter le petit pantalon de toile hyper fin. Pour l'été, je trouve que ça peut être sympa, mais j'ai un peu peur que ce soit grand sur maman. À tester. Le pantalon, bon, clairement, il est trop grand pour maman, mais je vous laisse, je la laisse dire ce qu'elle en pense. Non, pas du tout, je n'aime pas du tout. Le Vichy, j'adore, mais sur moi, là... Ben, clairement, ça fait pyjama. Voilà, c'est ça. Il est à l'aise, hein. Ah, il est trop grand de la taille. Mais vous allez voir derrière. Voilà. Voilà, c'est. Et en bas, bon, elle est petite, elle fait 1m55. À peine. À peine. Elle a dû faire un revers, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il est grand. Il y a de la place. Étends la ceinture. Mets-toi face à moi. Et fais comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de place quand même. Et puis, comme je lui disais, les poches, vous voyez, c'est des poches plaquées comme ça, là. Et les poches plaquées, ça ne lui met pas en valeur. On a l'impression que tu as un. Je sais pas, un truc bizarre au niveau du ventre. C'est bizarre. Non. Non. Ça, c'est pas validé, je pense, dis-moi. Non, ça va pas. Un pantalon. Donc, j'ai choisi un pantalon un petit peu beige avec des tournesols. J'ai trouvé que ça faisait très original. J'espère que ça va lui plaire. On verra bien. Allez, à l'essayage. Alors, on reprend. Ça a coupé le pantalon. Donc, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Alors, le pantalon ne me va pas parce qu'il est trop large de là. Là, ça se voit bien, hein. Ouais, vous voyez, au niveau de... Là, ouais, ouais. Là, ça, c'est... Ouais. Il aurait fallu une taille en dessous. En fait, je pense que maman, dans les pantalons chine, il faut du S. Et encore, je suis même pas sûre qu'en S, ce soit joli, parce que j'ai peur qu'il soit encore large. Parce que là, le M, au niveau de la taille, il est pas si grand que ça, en fait. Non. Mais vous voyez, c'est hyper large. Et bon, après, il est très long, parce qu'elle l'a retroussé un petit peu. Ouais. Alors, on a essayé de mettre des chaussures à talons, voir ce que ça donnait. Mais clairement, au niveau du côté des cuisses, c'est trop... C'est trop... Ouais. C'est marrant, parce qu'en vidéo, ça donne pas cet effet-là. Mais franchement, en vrai, c'est pas joli. Voilà. Donc, pas validé. Alors, petite robe Vichy comme ça. Un peu robe patineuse. Je savais plus. Donc, toute simple avec un petit... Bouton. Bouton. Merci, maman. À l'arrière, il y a une petite goutte. Voilà, elle est très mignonne. C'est un tissu très léger. Je pense que pour l'été, ça doit être sympa à porter. On passe à l'essayage. La petite robe. Donc, je te laisse dire ce que t'en penses. La petite robe est mignonne, mais ce n'est pas de mon âge. Alors, pourquoi elle dit que ce n'est pas de son âge? Parce qu'elle est un peu courte. C'est-à-dire qu'elle est bien au-dessus du genou et c'est vrai que c'est... Bon, il y en a qui le porteraient comme ça, hein, comme je vous dis toujours. Mais c'est vrai que ça manque un peu de longueur par rapport à ce qu'elle porte habituellement. Par contre, au niveau taille, je trouve qu'elle tombe très bien. Et est-ce qu'elle est agréable à porter? Ah oui, oui, on la sent pas. Ouais. En plein été, c'est formidable. Mmh. Pour une jeune femme, je trouve que c'est bien. Ouais. Et elle a une fermeture sur le côté pour ouvrir et fermer, voilà. Donc ouais, elle est très légère et tout, mais c'est vrai que, ouais, c'est pas moche, hein. C'est pas moche en soi, tu pourrais le porter comme ça, mais je sais que t'es pas à l'aise, quoi. Non, non. Ouais, bon ben voilà. Allez, dernier article. Alors moi, je vais choisir une robe, bon, il y a une ceinture, je vais essayer, attendez, je vous la passe derrière, comme ça vous verrez la robe. Robe chemisier, kaki comme ça, avec des boutons, je l'ai trouvée très jolie sur le site. Elle a l'air un peu plus longue que celle d'avant, donc peut-être que ça ira. J'espère que ça va te plaire. Je lui passe ça tout de suite. Oui, c'est joli. Alors, la dernière petite robe. Donc, on est en dilemme toutes les deux. Moi, je lui dis que ça lui va très bien et maman dit qu'elle est trop serrée. Donc, au niveau longueur, on est bien. Dites, vas-y, je te laisse dire ce que t'en penses. Moi, je trouve qu'elle est trop moulante. Voilà, tourne un peu pour voir qu'on voit... Bah ouais, c'est vrai que vu de là par rapport au couloir, on voit plus la forme de ta culotte. Voilà, j'avoue. C'est ça. Ouais, mais j'ai peur qu'une taille au-dessus ait été trop large. Mmh. Sinon, la robe en elle-même, t'en penses quoi? C'est
C'est une robe qui est agréable à porter. Mmh. Qui est facile à porter. On est à l'aise au niveau des manches et tout. Pour l'été, c'est formidable. Ouais. Ouais, c'est une matière très, très agréable. Ouais, non, j'avoue que là, vue de face comme ça, avec la lumière du jour, ouais. Elle est un poil... Elle est un poil serrée. On voit la forme de... Ah oui, non, je le sens. Ouais. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très jolie. Mmh. Ouais, c'est une très belle robe. Ouais. Donc verdict, très belle robe, mais un peu petite pour toi. Voilà. Donc je vous retrouve au même plan, mais quelques jours après. Je me rends compte que je voulais monter ma vidéo Chine et que je n'ai pas conclu cette vidéo. Donc vous avez vu mes essayages, il y a des petits coups de cœur. Franchement, il y a des trucs que j'aime beaucoup, il y a des flops aussi, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Chez ma maman, c'est pareil. Il y a des gros coups de cœur. Franchement, ma maman a été ravie de plein de choses. Et je suis très contente pour elle. Et voilà. Je suis désolée du bruit que vous pouvez entendre chez ma maman. C'est son poêle à granulés qui fait beaucoup de bruit. Mais je me rends compte au montage que c'est un peu désagréable. Je suis désolée pour ça. Je vous remets mon code promo ici si ça vous intéresse. Vous avez moins 15% sur toute votre commande, je crois. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Et très bientôt aussi. Enfin, je pense que d'ici une dizaine de jours dans une autre vidéo Chine spéciale pour l'été, vous allez voir, j'ai découvert des pépites.